Messi, titulaire dans la première journée, un petit quart d'heure, une petite commotion cérébrale et le voilà de retour. Sexton, qui a malheureusement commis un à l'avant. Pour l'instant, ça profite au Toulonnais avec Voslo, la récupération d'Escande, beaucoup d'appui chez ce jeune joueur. Un des regrets, hein, Fabien Galthié qui aurait voulu le voir rester à Montpellier. David Smith. Avantage terminé. Mazoé pour Michalak. Mermoz, O'Connor, pour Tussova. Tussova face à Dulin. Tussova, l'intérieur, extérieur pour Connor. O'Connor le rafut. O'Connor en bord de touche pour la réponse toulonnaise. Magnifique essai. Laissez le boulot. Et le James O'Connor pour sa première en tant que titulaire à l'arrière à Toulon. Ouais, ça n'est pas volé, François, hein, vu les intentions toulonnaises qui n'ont pas hésité à contre-attaquer suite à une récupération depuis leur propre 22 mètres. Et l'action de classe encore de James O'Connor, on vous en parlait. On connaissait le prodige Matt Guiteau. Belle action aussi de Tuisova, hein, qui remet à son arrière. Machenot qui se jette avec l'énergie du désespoir, mais qui est bien repoussé par le rafut de James O'Connor. C'était parfait. Voilà, service de James O'Connor pour Tuisova, qui joue son duel face à Brice Hulin, qui remet au même James O'Connor, qui avait redoublé. Et le 1 contre 1 victorieux du jeune arrière australien, polyvalent. Auteur du 9e essai toulonnais la semaine dernière contre La Rochelle, cadeau de Maxime Mermoz. Et là, c'est lui qui vient conclure ce magnifique contre toulonnais. La transformation, cette fois-ci, de Michalak. Elle est bien partie, elle file entre les poteaux. 2 points de plus. Toulon qui égalise.